Nous sommes avec Samir Mesdour. Samir, vous êtes chercheur en sciences des aliments et procédés agroalimentaires. Donc vous êtes à AgroParisTech, qu'on ne présente plus comme institution de recherche et d'études. Et alors vous êtes également coordinateur d'un projet qui porte le beau nom de Désirable et qui a donc pour objet la mise en œuvre de ce qu'on appelle une bioraffinerie à base d'insectes. On compte à peu près 1 million d'espèces. Certains disent qu'il y a jusqu'à 6 millions d'espèces différentes. Oui, parce qu'il faut bien préciser que, en effet, on est loin de connaître la biodiversité de la planète en général et celle des insectes en particulier. On se dit qu'il y a 1 million d'espèces. En fait, on a évolué autour d'un million. Il semble qu'il y en ait davantage, mais en tout cas, on n'a pas encore recensé l'ensemble. On n'est pas exhaustif, en tout cas, de ce point de vue-là. Mais biodiversité, c'est aussi, avec les arthropodes, puisque les insectes font partie du groupe des arthropodes, ça fait à peu près deux tiers des espèces vivantes sur la planète. Et 80% des espèces animales. Voilà quelques éléments qui montrent de l'importance de l'insecte, que représentent les insectes sur notre planète. On est une planète d'insectes. On est d'abord une planète d'insectes. Et puis, il y a une adaptation à un grand nombre de milieux, d'environnements, et puis de consommation d'aliments très, très variés. Hein, l'insecte a su coloniser pratiquement tous les milieux, hormis peut-être les calottes glaciaires, et encore, à vérifier. Alors, l'insecte, il fait partie de notre quotidien, et depuis longtemps, depuis l'aube de l'humanité, depuis le début, je dirais, il fait partie intimement de notre vécu, de notre quotidien. Il y a des relations, paradoxales, hein, qui se sont établies. Il y a des aspects négatifs, d'abord. Souvent, on évoque l'insecte sous ses traits un peu négatifs. Bon, il nous pique, hein, il nous gêne. Il nous mord. Oui, même en ce moment. Et... il dévaste, il est nuisible aux cultures. Il a une image assez négative dans les représentations. Il est vecteur de maladies. Vecteur de maladies, c'est ça. Ça vit dans des milieux qui ne sont pas très, attirants. Il y a une exécration, d'une certaine manière, de cet animal. Et puis, il y a un imaginaire aussi derrière qui a été construit à travers, certainement, la littérature, le cinéma. Et puis à côté de ça, il y a des aspects beaucoup plus positifs et même, je dirais, des apports de service à travers ces propriétés, ces vertus thérapeutiques. On dira quelques mots sur les propriétés en médecine ou en de la pharmacopée, mais également, puisqu'on parlait tout à l'heure de consommation, donc... des propriétés nutritives qu'apporte l'insecte. Mais je dirais que dans notre environnement, grâce à l'insecte, il y a la pollinisation. Donc 80% des fleurs sont pollinisées via les insectes. Et puis d'autres contributions l'insecte fait véritablement partie de notre économie également. On ne le sait pas assez, mais il fait partie, effectivement, il a une contribution économique qui est chiffrée, notamment aux États-Unis, on a été jusqu'à chiffrer la contribution de l'insecte dans l'économie américaine. Alors, ensuite, ce qu'il faut dire sur ces aspects, c'est que peut-être qu'en Occident, on a pris un peu de distance vis-à-vis de cette... on s'est distancié un peu de cette relation insecte-homme. Mais aujourd'hui, on a, à travers finalement cette vague médiatique, que ça revient un petit peu à la mode, et même que l'insecte s'inscrit dans une perspective d'avenir à travers la recherche académique, la recherche appliquée, et également dans un certain nombre de domaines, la médecine, la pharmacie, l'alimentation humaine et animale. Donc, on est loin de rompre cette relation, même en Occident, cette relation particulière qu'on entretient avec l'insecte. Si on en vient maintenant à la consommation des insectes au cours des âges et par les différentes civilisations,
Eh bien, on peut dire qu'on a à peu près les preuves d'une consommation d'insectes dès les premiers âges, hein, de l'homme préhistorique. On a retrouvé dans différentes grottes en Chine, en Amérique et ailleurs des traces d'insectes dans des excréments qu'on a trouvés effectivement dans ces différentes grottes. En Espagne, dans le nord de l'Espagne, dans des gravures rupestres, oui. Effectivement, on a des scènes, des représentations de scènes de consommation d'abeilles sauvages. Également en Australie, chez les aborigènes. Mm-hmm. Chez les Égyptiens, mais chez les Romains, on a le témoignage d'Aristote qui témoigne de consommation de cigales, de chenilles, également chez les Romains, à travers des écrits de Pline l'Ancien. Mm-hmm. Dans les religions monothéistes, dans les trois religions, à travers les écrits de ces religions, donc la Torah, le Nouveau Testament, la tradition prophétique musulmane, il y a une autorisation à consommer des insectes et il y a un certain nombre de... Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui est accepté par les sociétés. Qui est accepté par tout type de société, pratiquement à toutes les époques. Pour revenir à l'Europe, au 18e, 19e siècle, on consommait des hannetons. Il y a cette anecdote d'une châtelaine du Val de Loire qui, pour ses invités, proposait des beignets de hannetons. Au 20e siècle, en Ardèche, dans un petit village cévenol, on accommodait en omelette du ver à soie. Et puis on arrive à notre époque, dans les années 2000, avec la FAO qui promeut l'entomophagie là où elle est pratiquée déjà, mais essaie de la développer ou la remettre au goût du jour dans les pays occidentaux. Effectivement, à l'horizon 2050, donc, les démographes prévoient en moyenne, hein, 9 millions et demi d'habitants. Milliards, pardon. donc, il va falloir nourrir toute cette population. Mais pas seulement les hommes. Il faut également nourrir les animaux de compagnie, chiens, chats, etc. Et là, on aura à peu près 2 milliards d'animaux dits domestiques. Et c'est considérable. Il faut nourrir également... Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais un certain nombre d'animaux d'élevage destinés à la consommation humaine. La production de protéines, globalement, elle continue à croître. Mais à l'horizon 2050, elle ne suffira pas. Les solutions qui sont opérées, en tout cas pas pour répondre à ce déficit protéines, il y en a plusieurs. On explore de nouvelles sources. Je crois que vous avez eu dans ces différentes conférences un certain nombre de témoignages, notamment les algues, je crois. Oui, les algues. Vous avez eu une conférence là-dessus. Donc, j'ai repris ici les différentes sources de protéines qui sont actuellement qui sont un petit peu explorées aujourd'hui. Alors, ça va des plantes terrestres, aquatiques, donc les fameuses algues, les micro-organismes, les champignons. Et puis, la source insecte. Alors, vous voyez, la source insecte, ce n'est pas la solution miracle. Ce n'est pas la seule solution. Ce n'est ni la seule, ni une solution miracle. Elle ne va pas solutionner tous les problèmes. En tout cas, ce n'est pas mon propos. Donc, il faut la replacer replacer cette solution à sa place, dans ce champ de possible, et dans ce champ qui est en train d'être exploré. Elle demeure intéressante, elle demeure, ma foi... pertinente aujourd'hui, à voir ce que sera le diagnostic qu'on est en train d'opérer aujourd'hui. Alors, pourquoi les insectes ? Eh bien, parce qu'il y a déjà plus de 2 milliards et demi d'habitants sur la planète qui en consomment, alors, de façon plus ou moins importante. C'est pas quelque chose d'inconnu à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on a parlé du passé, aujourd'hui on parle du présent et on voit qu'il y a un certain nombre
d'habitants de la planète qui consomment des insectes, alors peut-être pas tous les jours. C'est-à-dire qu'au-delà de cette capacité de l'insecte à s'adapter à différents environnements, et à différents milieux, à différents substrats, au-delà de sa grande capacité à se reproduire avec des cycles de vie qui sont relativement courts, eh bien, il y a aussi cet argument qui consiste à dire, mais il y a plein de gens qui en consomment aujourd'hui, de par le monde. Et puis, il y a également le fait qu'il y a une pratique, hein, il y a un usage pour l'alimentation animale. Il faut toujours avoir à l'esprit que il y a la consommation humaine, mais à côté aussi, il y a un certain nombre d'animaux, voilà, de compagnie. C'est moins médiatisé, mais la consommation animale est quand même un enjeu majeur. C'est aussi un enjeu qui est aussi important que celui de la consommation humaine, en tout cas, au moins sur le plan économique. Alors, ce qui milite aussi en faveur de cette solution insecte, et la raison pour laquelle il faut continuer à explorer, c'est que du point de vue environnemental, hein, ça a un certain nombre d'avantages. Hein, ça exige moins de surface. Vous voulez dire au niveau d'une production d'élevage par rapport à des animaux conventionnels, hein, des élevages conventionnels. Effectivement, ça occupe moins de surface et puis ça consomme moins d'eau. Oui. On peut donner à manger aux insectes des sous-produits ou des coproduits qui sont peu ou pas valorisés, issus de l'agriculture ou issus de l'industrie agroalimentaire. Et puis, d'autre part, les insectes sont assez efficaces dans la transformation de la matière agricole en matière protéique. C'est 7-8 fois plus efficace qu'un bœuf, par exemple. Et puis, un autre avantage que présentent les insectes, c'est que d'une certaine manière, c'est une matière agricole, si je peux dire, plus sûre, dans la mesure où la distance génétique entre l'homme et l'insecte est beaucoup plus grande. Oui, c'est plus important que celle de. Alors, je fais allusion aux maladies qu'il y a eu par le passé, notamment l'affaire vache-folle. Autre intérêt, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont c'est la composition nutritionnelle des insectes. Globalement, hein, j'ai mis ici des chiffres généraux, ça dépend de l'insecte, ça dépend de ce qu'il a consommé, ça dépend du milieu, ça dépend du stade aussi, hein, si on est au stade larvaire ou au stade adulte, ça dépend de l'habitat également. Et donc, c'est riche en protéines, hein, ce qu'on peut dire, c'est très riche en protéines. Vous avez ici une fourchette entre 35 et 77%. C'est également riche en lipides. Alors, quand je dis protéines, lipides, c'est aussi en termes de composition, de profil acide aminé. Hein, tous les acides aminés essentiels. Il y a un profil d'acide gras qui est aussi favorable. Qui est favorable. Des acides gras saturés, oméga-3 en particulier, qui sont assez proches de ce qu'on retrouve dans le poisson. Et puis, c'est riche en fibres. Alors, il y a la fameuse chitine. Alors, la chitine n'est pas digestible par l'homme. Alors, il faut voir dans quel état elle est. La chitine, c'est ce qui recouvre la bestiole, c'est l'exosquelette. C'est la carapace, en quelque sorte, de l'insecte, qui peut être valorisée autrement que dans le domaine... Enfin, qui peut être valorisée en alimentaire, mais également dans le domaine... non alimentaire. Mm-hmm. Puis il y a des sucres, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, donc il y a plein d'autres constituants qui peuvent avoir un intérêt également, au-delà des protéines. D'accord. Et des lipides. Il y a des obstacles ou des verrous à lever du point de vue technique. Est-ce qu'on reste au stade larvaire? Est-ce qu'on va à l'état adulte? Et puis même, piloter le stade larvaire, ça veut dire quelle composition? Est-ce qu'on arrive à une composition qui soit standardisée? Quand je dis composition, c'est composition de la larve, hein, en protéines, lipides, etc. C'est ça. Et puis, que va-t-on donner à manger aux insectes? Est-ce qu'on est capable de fournir une alimentation optimisée pour une composition en insectes qui soit également optimisée? Et puis, les maladies. Quel type de maladies sont véhiculées dans ces élevages en grande masse? Et quels sont les risques de contamination? C'est les questions de sécurité et d'hygiène qui sont très importantes. Donc, et puis un certain nombre d'autres questions qui se posent du point de vue technique au niveau de simplement de l'élevage. Et puis, des difficultés techniques,
sont aussi du côté de la transformation. On peut se poser la question de la transformation. Quel type de produit va-t-on obtenir en sortie de transformation de ces larves ou de ces insectes? Est-ce qu'on veut des farines? Est-ce qu'on veut des ingrédients? Est-ce qu'on veut sortir une protéine particulière ou un lipide particulier? Donc il y a un cahier des charges qu'il faut établir. Et est-ce qu'on est capable de standardiser, comme on a standardisé d'autres types de produits à partir de matières agricoles? Alors, le deuxième type d'obstacles qu'il va falloir surmonter sont les obstacles réglementaires. Oui. Aujourd'hui, on a à peine un socle réglementaire. On a, au niveau européen, j'entends, hein, au niveau européen, on a une réglementation qui est en train de se construire autour des insectes, puisque c'est relativement nouveau. Mais on peut raisonnablement penser qu'à moyen terme, il y aura une réglementation adaptée qui permettra effectivement de valoriser les produits à base d'insectes pour l'alimentation de ces animaux. D'accord. En revanche, pour la consommation humaine, aujourd'hui, en Europe, il n'est interdit de commercialiser, de vendre des insectes ou des produits à base d'insectes pour la consommation humaine. Ce qu'il va falloir faire, c'est demander une autorisation. Autorisation de mise sur le marché et suivre la procédure, ce qu'on appelle la procédure Novel Food. Donc c'est une procédure européenne. C'est une procédure européenne qui est assez lourde, qui coûte également pour le demandeur. Et ce processus de demande de Novel Food est aussi en train d'être réformé. À supposer qu'on surmonte les obstacles techniques et les obstacles réglementaires, mais il reste le prix, hein, de ces produits. Et je dirais, les filières de comparaison, ben, sont les filières farine de poisson et farine de soja, qui sont peut-être les filières les plus proches de ce qu'on essaie de mettre en place pour les insectes. Et là, on est, je dirais, pour les farines de poisson, autour d'un euro le kilo. Pour les insectes, on est loin du compte, pour le moment. D'après les estimations, il n'y a pas assez de données. Il va falloir générer un certain nombre de données à travers les programmes de recherche qui sont menés aujourd'hui en Europe. Mais on est encore loin du compte. Donc, si on reprend les trois exemples qui sont repris sur la flèche, là, oui, pour évoquer cette rentabilité, cette productivité. Vous voyez que quand on est à des élevages relativement petits, familiaux, quelques centaines de kilos, on a un prix qui tourne autour de 1000 euros le kilo. Oui, ce qui est quand même beaucoup, effectivement. Bon. Dans le deuxième cas, pour les pet food, on a des quantités plus importantes, jusqu'à 1000 tonnes, on arrive à 2000 euros le kilo. Et puis, en lutte biologique, le prix dégringole aussi, on est autour de 100 euros le kilo. Dans la perspective de cette nouvelle filière insectes pour alimentation animale et voire humaine, il faudrait aller à des tonnages beaucoup plus importants. Hein. Ouais. Certains avancent des chiffres de 50 000 voire à 100 000 tonnes. Pour être compétitif vis-à-vis des autres farines dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et pour abaisser le prix autour de 1 euro le kilo. Pour essayer de résoudre ces obstacles, enfin ces problèmes et surmonter ces obstacles, il y a un certain nombre de solutions qui sont envisagées. Et en Europe, depuis plusieurs années, il y a des programmes de recherche avec un partenariat public-privé qui se déroule. Hein. Et parmi ceux-là, il y a le programme des IRABL qui a démarré en 2013 et oui, qui va encore se dérouler jusqu'à fin 2016, début 2017. L'idée, c'est de partir de matières agricoles ou de sous-produits de l'industrie alimentaire comme substrat d'alimentation des élevages d'insectes. Et ces élevages d'insectes, on raisonne sur des élevages en grande masse. Hein. Oui. L'idée, c'est de rester à l'échelle au stade larvaire, hein, de ne pas aller jusqu'au stade adulte. Donc, il faut piloter
Donc à la fois l'alimentation, les conditions d'élevage, température, humidité, luminosité, etc. Il faut qu'on envisage aussi une automatisation, mécanisation. Il faut gérer les aspects hygiène et sécurité de ces sites d'élevage. Oui. Pour ensuite transformer ces larves en farine. Alors on peut faire des farines complètes, mais l'idée c'est aussi de préparer des farines enrichies en protéines. D'accord. Donc on va délipider partiellement ces larves. Vous les dégraissez ? On les dégraisse, voilà. Ouais. Pour justement proposer donc une farine riche en protéines. Alors dans la diapositive, vous voyez à droite ce que pourraient être les différents débouchés de cette entoraffinerie, avec donc débouchés en alimentation animale, alimentation humaine, mais dans le domaine des biomatériaux, puisque la chitine peut être utilisée pour élaborer des films, plastiques, des emballages, des choses comme ça. En bioénergie, avec notamment la phase lipidique qui pourrait être valorisée donc en bioénergie. Et puis peut-être dans les services. Enfin bref, un certain nombre, décliner un petit peu les différents débouchés pour que la filière soit la plus rentable possible. On a recensé plus de 2000 espèces. Ah, tout de même. Comestibles. J'ai lu dernièrement, c'était 2086. Voilà. Pour être précis. Bon. Voilà, il y en a au moins 2000. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un travail menu, depuis des décennies par les entomologistes, et puis on a vérifié que c'était consommé sans nuire. Oui, parce que ça peut être toxique, ça peut être... Alors déjà, on a quand même... en Europe, il y a une trentaine d'espaces comestibles qui ont été recensés. D'accord. Donc, après, ce qui a à peu près retenu, parce que ce sont les plus connus... et c'est ce qu'on étudie, nous, dans nos programmes, c'est le fameux ver de farine. Le ver de farine. Voilà. Bon. La mouche soldat. Bon. Voilà. Je ne sais pas. Oui, et puis après, il y a éventuellement les chenilles, les grillons, il y a les criquets. Donc toutes ces espèces sont consommées. Alors effectivement, il y a des statistiques pour classer cela en ordre d'importance. Il y a les abeilles qui sont consommées, il y a un certain nombre d'espèces qu'effectivement on consomme plus ou moins, mais ça dépend des régions, ça dépend des cultures, ça dépend des civilisations. Tout ça est à peu près différent selon les zones. Les données que l'on a, ce sont les seules d'ailleurs. On sait que ça représente dans certaines communautés africaines 5 à 10 % des rations protéiques. Alors, on est en train de compiler, la FAO est en train de compiler justement des données là-dessus, pour voir quelle est la part de consommation d'insectes chez les différentes populations qui sont entomophages. On teste effectivement différentes hypothèses et l'idée c'est de générer des données qui permettent de faire un diagnostic le plus large possible sur cette filière, de l'amont à l'aval. C'est-à-dire que l'idée, c'est de piloter l'alimentation des insectes, piloter leur élevage, piloter la transformation. Oui. Et puis ensuite, ce qu'on vérifie, c'est quelles sont les propriétés qu'apportent, par exemple, les protéines. Parce qu'il n'y a pas que le prix. Il y a également la propriété qu'apporte la protéine dans une alimentation animale, la digestibilité par exemple. Par exemple. Donc on va la tester, cette digestibilité. Et puis on va mesurer ce qu'on appelle l'impact d'achat du consommateur. Oui. En lui donnant un certain nombre d'éléments d'information, notamment sur les poulets, sur les truites, qui ont consommé pour partie dans leur repas. D'accord. Des produits à base d'insectes. Voilà un petit peu l'enjeu. On espère... d'ici fin 2016. Fin 2016, vous aurez des premières données. Des premières données. Mm-hmm. Donc, véritablement, c'est l'originalité, je dirais, du programme Désirable par rapport à d'autres projets européens. D'accord. Mais en tout cas, il reste beaucoup à faire. Il y a certainement aussi, culturellement, à changer certains préjugés, certaines images.
peut-être commencer par chez les plus jeunes, mm-hmm. il y a de la vulgarisation, un apprentissage, reconstruire un petit peu les images, l'imaginaire qu'on avait par le passé, de ce rejet un peu de l'insecte, et davantage de connaissances sur ce que c'est que l'insecte, son environnement, son développement et les apports qu'il peut apporter à nos sociétés.